Non, c'est juste. J'espère que ça va, le chat. Oui, c'est normal. Là, il est revenu. Voilà, il n'y a plus de cam, d'accord. Ça marche juste plus, la cam. Yes. Et ben voilà, de plus trop, de pas trop fonctionnel, il a tout cassé. Yes. Bon bah, pas de caméra aujourd'hui, hein, tant pis. Il est possible même que ça ait fait bugger le stream à un moment parce que mon câble Ethernet ne tient pas. Je vais regarder comment va le stream parce que ça se trouve c'est juste bugué. Bah, Foundry. Ah, le stream, je m'en fous de Foundry. Ah, Foundry, il marchait plus, moi. Il me disait que j'avais perdu la connexion. Ouais, normal. Ah bah, bon, okay. Le stream a l'air d'être toujours intact. Je suis en retour. Ah bah, bon, okay. Oui, c'est bon. Ok. Par contre, il n'y a juste plus la cam. Pas grave, personne ne regarde ta tête. Bon, je vais mettre une image à la place. En attendant le pi. Heureux. Désolé, je suis speed quand je suis à fond dedans. Qu'est-ce que je vais faire? Juste que je vais mettre comme pas image. Pas de problème. Voilà. Ça remarche. Voilà. Puisque ma cam ne fonctionne plus, j'ai mis une petite image. Yes! Un dessin d'un poisson qui fait wesh. D'accord. Ça me rappelle quelque wesh. Chose. Le poisson. Donc, effectivement, vous étiez... Bah, du coup, vous êtes en route pour... retourner voir le prince Thorbjorn et Liazen. Mmh. Urkox vous aura laissé, il sera reparti voir son ami. Mmh. Alors, ville, allez, voilà. Vous pouvez retirer vos points de fatigue. Ouais. Pourquoi j'ai un moi? Ça foutre rien. Que j'ai rien sur ma fiche. Ça va, gros PD? Oh mon chat. Eh ben, renommé. Ok, bah vous pouvez vous rajouter un point de conviction. Ouais. Et on va lui rapporter les trucs. Ok. Il vous remerciera gentiment. Sérieux, t'avais ouvert la fenêtre, maintenant il y a des motos qui passent. Donc il vous remercie. Merci pour avoir réglé ce problème de griffon. Pas de rien. Attends, j'avais dit qu'il s'était passé 2, 3, 4 jours. Faut jouer à ça. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. attendre l'arrivée du dirigeable. Bah, s'il continue de nous héberger, je pense que moi je vais me la couler douce et faire du tourisme. Hein.
Okay. Nakar, il va demander conseil à Stani pour essayer de trouver un cadeau pour Clara. Ok. Faire un bijou, soit faire un bijou à partir d'une des griffes de griffon qu'il a. Oui, j'aurais dit oui, bijou à partir de griffes de griffon ou parpaing. Mais vu que t'as la griffe de griffon, oui, faire un bijou à partir de ça, oui. Un collier, des boucles d'oreilles. Un collier. Collier. Oh, une bague de fiançailles. Yes. Une bague avec une énorme griffe par-dessus, ça risque de mal passer quand même. Bah pourquoi, c'est volarien, non? Ça fait féroce. Oui, enfin, c'est pas très pratique. Moi, ça pourra ouvrir les bouteilles. Hein? Sérieusement, Loupi. Non, mais... Non, et puis en plus, selon les cultures, un collier, ça peut très bien être le... Oui, c'est juste... Je taquine. Et puis, moi, j'aurais chanté au prince, si je veux m'entendre chanter. Okay, je vais juste vous prendre un par un pour voir exactement ce que vous faites, chacun votre tour, exactement. Oh. Okay. Ok. On va commencer par qui vous voulez. Bon, allez. Je porte volontaire, moi. Ah, c'est bon. Du coup, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Attends, oui. Regarde. Oui, effectivement. Alors, toi, quoi fais-tu durant tout ce... Comme dit Nakar, il va faire un collier pour cadeau à Clara à partir de la plus belle griffe de griffon qu'il a, de toutes celles qu'il a récupérées. J'imagine qu'avec... Et il va voir s'il n'y a pas des pierres couleur bleue, tu vois, à sortir dessus. Vu qu'il est couleur bleue. Très bien, très bien. Si jamais tu demandes au prince, il pourra même te donner quelques petites adresses ou te faire faire des petits trucs sympathiques. Ah bah oui, enfin... Nakar, il s'en fout de... Il va demander aux gens autour de savoir si... Mais enfin, il faut que ce soit quand même fait pour le moment où le truc il arrive, quoi. Pas dans 40 ans, quoi. Oui, ça sera assez rapide. Hein. Il demande même à des gens de sa cour, limite, s'ils peuvent te faire un petit truc sympa. Oui, bah, si du moment que ça peut être fait pour avant que le dirigeable parte et qu'on parte vers Sphéris. Oui, il y aura largement de temps. Ça va pour Nakar. Ok. Puis il aura un petit peu tapé la conversation aussi, si jamais tu veux le faire. Tiens, qu'est-ce que... Alors raconte-moi ton histoire, tout ça. Bah voilà. Il va lui expliquer un peu, parler un peu de sa famille, dans les grandes lignes, hein, genre pourquoi il voulait être champion de la reine et tout. Ok. D'où vient son arme, ce genre de choses, quoi. Ok, tu vas pouvoir me ramener quelqu'un d'autre. Ok. Je redescends. Relou, cette caméra, putain. Oui. Allô. Oui. Parle plus fort. Ouais, parle plus fort. Oui, je parle plus fort. Alors, toi, quoi faire durant cette semaine et demie? Bah, toujours des lettres à la famille. À Chaline. À Démétrius. J'aurais fait le chant pour le prince. Je me serais racheté des boucles d'oreilles. Et j'aurais essayé d'apprendre quelques mots encore en volarien. Enfin, ou en gal, je sais plus comment on dit. En gal. En gal.
Okidoki Loki. Et quant au prince, bah, vu que c'est aussi un des principaux qui tape la causette, il aura cherché à en savoir un petit peu plus sur toi, d'où tu viens, raconte-moi ton histoire. Bien, j'aurais raconté, j'aurais dit que je viens de Carlion. Ça Kierlon, ouais. Kierlon. Je réfléchis. Bon, tu lui racontes juste ton histoire, grosso merde. Oui, bah voilà, je lui dis que ma mémé aussi, c'était aussi une championne de la reine. Enfin, voilà. Ok, d'accord. Je me la pète à fond de balle. Yes. Et il aura apprécié tes chants. Il va pouvoir me ramener... Bernard, remettez le poisson. Oui, non, mais j'ai pas remis, j'ai mis ma tête à la place du poisson parce que ouais, c'est vrai que j'aurais pu mettre le poisson. Je vais chercher Loupi. Ça marche. Et j'essayais dans le temps de refaire fonctionner ma cam, mais ça marche pas. Wesh. Wesh. Louise, pourquoi ? Alors, toi, quoi faire durant cette semaine et demie ? Eh ben, déjà, je vais essayer de trouver un cadeau pour ma sœur et ma mère, donc soit un bijou, un petit vêtement, un petit truc. Mm-hmm. Typique. Typique. Si jamais tu demandes au prince, il t'aura donné quelques conseils par-ci par-là, des meilleurs, entre guillemets, boutiques ou meilleurs artisans qui pourraient s'occuper de ce genre de cadeau. Bah justement, je lui demanderai. Après, je veux pas forcément un truc... bling bling ou tape à l'œil ou je sais pas quoi, je veux vraiment juste quelque chose de bien fait et de typique, voilà, que la région. Je pense que je prendrais peut-être une belle cape pour ma mère, une cape d'hiver et un bijou, genre un bracelet pour ma sœur. Je m'occuperai de Prunelle. Et puis, bah, je ferai un peu la touriste, hein, en soi. Oh. Oui. Si le prince veut me montrer un peu sa culture, il peut... Ah, et s'il a le temps de m'apprendre sa langue ou de me filer, me diriger vers un tuteur qui pourrait m'apprendre un petit peu la langue. Ok. Il fera ça en soi. Il y a pas de souci pour. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Et en contrepartie, bah, il aura aussi cherché à en savoir un petit peu plus sur toi. Pourquoi tu as quitté exactement raconte-moi ton histoire, grosso merdo. Bah, je lui raconterai que moi, je n'étais pas prête à me marier. Et machin, et toujours rester au palais, j'en pouvais plus, je voulais juste explorer un peu, voir le monde, voir comment les gens vivent en dehors de mes murs, en fait. Mmh. Et c'est pour ça que je suis partie, mais que je compte revenir et puis prendre mes responsabilités, bien sûr. Mais que j'en avais besoin, que j'espère que ma mère est pas trop déçue non plus de moi. Je te demanderai si tu es contente du coup d'avoir vu l'extérieur. Oui, même si c'est un peu moins sympa à certains sujets que je l'aurais cru. Notamment ce putain de loup là. Carnimorphe. De carnimorphe. En tout cas, il aurait été très sympathique, très courtois. Il n'en demandera pas trop non plus. Bah, de même. D'ailleurs, je lui aurais aussi demandé un peu sa vie et tout. Comment il arrive à gérer tout son pays. Il est quand même vachement jeune et tout. Enfin, c'est pas une critique, hein, mais... Et il t'aura dit que c'est pas évident de reprendre les rênes d'un trône. Surtout dans un trône qui était déjà en guerre. C'est pas tous les jours évident, mais il fait de son mieux. Si on y vient à parler de ça, je lui demanderais si... S'il pense que la guerre pourrait prendre fin
prochainement ou s'il a une solution pour ça. Il te répondra que techniquement la guerre peut prendre fin dès qu'il l'ordonne, puisque c'est eux qui ont lancé la guerre, mais qui veulent récupérer leur terre qui leur appartenait jadis. Et qu'est-ce que ça... Est-ce que ce serait si mauvais de leur redonner ? Ben, c'était quand même une terre qui possédait énormément de ressources, comme du pétrole. Ouais. Et que ça met beaucoup à mal le pays depuis qu'ils ont pris... qu'ils ont pris ces terres-ci, qui se sont appropriées comme ça, d'ailleurs. Et le peuple ne sera pas forcément ravi qu'on abandonne cet aspect social. Ben voilà, il aurait été très très quand même social envers toi et très doux et gentil. Bah de même. Et parfois un peu, je rougis. Ah, lui aussi un petit peu. Si jamais tu venais à faire des compliments, il saurait pas trop où se mettre. Je pense que j'oserais pas. Lui essaiera. Et ben, genre, je saurais pas où me mettre. Genre plutôt mignonne tout ça, mais... C'est maladroitement des fois. Mais bon, moi je vais faire préparer le dîner, au revoir, voilà, ce genre de choses. Ouais. Et on va pouvoir revenir avec les autres. Voilà, je vais vous faire venir les gens. D'accord. Et j'ai réussi à refaire fonctionner ma cam. Bravo. Aha. Bravo. Et un matin, un lapin a tué un chasseur. Oh non, c'est un des miens. Alors, par contre, il faut qu'il développe les magies éoliennes, le pétrole, c'est has-been. Ah, le magie éolienne, ça peut être pas mal. Ouais, mais ça donne pas forcément énormément d'énergie, les magies éoliennes. Enfin, d'énergie, ouais. Est-ce que le lapin avait un fusil ? Ouais. Alors, un matin, Astani... Oui ? Tu seras réveillé par des toc-toc à ta fenêtre. Oula. Oula. Ah, c'est un pigeon. Oui, bah... Bonjour, Elisabeth. Et tu vois ça. Ah ! Attends, ah, putain ! Kiss cool. Cool, le retour. Je l'ai pas vu, mais bon, c'est pas grave. Mais oui, j'ouvre la fenêtre. Et bah, c'est le facteur, c'est ça ? Non, tu vois un squelette. Quoi ? Tu sais le capitaine. Bah, tu vois pas, c'est Kiss cool. Non, elle voit pas. Sa carte a bizarrement pas chargé. Ah. Bah, c'est ce que je dis. Attends, voilà. Je recharge pour elle. Ah, ouais. Ça y est. Oh, ah, ok. Katniss ? Elle fait signe d'ouvrir la fenêtre. Bah, je l'ai ouverte. Salut ! Et elle rentre dans la chambre à moitié en se cassant la gueule. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ah, je venais aux nouvelles. Donner tes nouvelles, disons. On a quelques soucis par chez nous. Eh, rien de bien grave, hein. On s'en est sorti, tout le monde va bien, tout le monde y est content. Vous avez le bonjour de Chaline et Simcat, ils vous passent le bonjour. Ouais, ça va vous c'est... Est-ce qu'on entend quelque chose Oui, moi ça va. Non, vous entendez pas trop à côté, non. D'accord. Bien, donc, les nouvelles, ils sont où les autres ? Quels autres ? Nakar et Bernard ?
Quels autres tu veux que je parle? Ils sont dans leur chambre. Ah, eh ben, ramène-les. Comme ça, ça évitera de faire le pigeon voyageur. Allez, tchou-tchou. Oui. Et tu pourrais pas prendre ton apparence? Enfin, j'en sais rien. Tu fais peur. C'est pas mon corps. Je sais. J'arrive. Installe-toi et touche à rien. Ok. Elle va s'installer effectivement sur le bureau, les pattes sur la table. À l'aise. Tellement à l'aise qu'elle prendra un verre d'eau, mais sauf qu'elle a oublié que c'était une mort-vivant, ça passe à travers sa bouche. Merde alors. En premier. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a Katniss, enfin, là, sous sa forme de mort-vivante, dans la chambre. Vas-y, elle veut nous parler. Putain, elle a ramené Kiss Cool. Pourquoi? On sait rien. Vu, c'était juste rhétorique, hein. il est déjà parti en disant ça. Et ensuite, je vais à la chambre de Bernard. Je frappe. Et une minute! C'est un gros bordel. C'est juste pour te dire de me rejoindre dans ma chambre. Ah ok, oui, j'arrive! Il y a Katniss qui veut nous parler, mais n'aie pas peur, elle est sous sa forme de pirate. Ok. Mais t'inquiète, elle nous fera rien. Ok. Je sais pas. À tout de suite. À toutes. De quoi elle part? Bah, je retourne dans ma chambre. Bon, j'arriverai un petit peu plus tard. Et là... On n'a pas entendu ton cri, malheureusement. Eh bien, je crie et je balance un éclair sur... Mais qu'est-ce que tu fais? Mais Bernard, arrête! Bah, lance l'éclair, vas-y. Oh putain. Oh putain de merde. Mais le tue pas! Je fais les dégâts? Bah ouais. Oh, c'est nul. Ça va. Je relance! Non! Non mais c'est pas... Elle relance vraiment! Saloperie, tu m'auras pas! Nagar se jette sur toi! Nagar te plaque en mode ça suffit! Bon. Arrête! Le squelette est mort? Non! Non! Ça veut pas mourir un squelette! Non mais ça reste un sort, c'est des extras ces machins! Mais putain! C'est ceux qui nous ont... C'est lui qui a massacré le capitaine et tout l'équipage de mon navire! Katniss, elle avait des trucs hyper importants à nous dire! Mais Katniss, là, c'est votre Katniss qui a buté tout le monde! Dakar, t'as quand même plaqué par terre, hein? Oui, je sais, mais je me débats, enfin j'essaye. Lâche-moi, t'es lourd! Dakar, lâche-le. Nakar va te maintenir avec une main en mode « Et ça suffit d'agir comme ça, on dirait moi !» Mais quoi? Mais il a égorgé tout le monde! Ah! Et comme ça, qu'elle s'y prend, écoute, je... Elle a des méthodes pour... Excusez-moi d'avoir peur quand on égorge les gens de mon équipage! Oui, mais... Pardon d'avoir peur pour ma vie et de me défendre! Bernard, calme-toi. Bah alors arrêtez de m'engueuler alors que je me protège! Je ne t'engueule pas. J'essayais de t'expliquer que c'était une connaissance. Ouais. Bon bah, on n'aura pas d'infos avant quelques temps, tant pis. Le scénar. Blouf. Le scénar. Tu prends quelque chose, tu le balances à la mer comme dans Titanic et avec le collier. Je voulais nous parler de tout ce qui était là où elle vivait avec Chadi. Et ben elle envoie une lettre comme tout le monde. C'est pas faux. Imagine que moi, elle a tout à ma fenêtre. Il y a pas de système postal à Oveyron. C'est pas mon problème, ça. Imagine que moi, elle a toqué à ma fenêtre et quand j'ai ouvert la fenêtre, imagine ma tronche. Oui, bah toi, elle a pas essayé de te tuer. Et elle a pas tué tout le monde. Alors. Elle n'a pas tué tout le monde devant tes yeux. Elle a essayé de me tuer, mais oui, elle n'a pas tué tout le monde devant mes yeux. Elle en a tué certains. Et...
Et il y aura quelqu'un qui frappe à la porte. Ouais. Et est-ce que tout va bien? Oui. Oui. Il y a un intrus, mais il n'y est plus. Un débat enflammé. Il rentre et il voit effectivement le tas de squelettes par terre. Qu'est-ce que c'est? Vous inquiétez pas, c'est mort. Depuis longtemps d'ailleurs. Bah quoi? C'est vrai? Vous ça pouvait pas être là. Ça pouvait pas être une meilleure réplique. C'est mort. Quel détective est détective obvious. Non mais du coup, c'est un mort vivant. Vous voyez un squelette, vous en faites pas, c'est mort. Quoi? Attends, on sait jamais. On sait jamais, on est dans un monde où il peut y avoir des putains de chimères. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais on a brûlé les corps des griffons après. Hein. Ok. Ah oh, putain. Bah quoi? Vous inquiétez pas, c'est mort. Le mec, il peut se dire, putain, attends, et si le machin, il se reconstitue et il m'attaque? Oh putain. Mais d'ailleurs, à combien de distance elle peut lancer son sort, la Katniss? C'est pas la question d'à quelle distance elle peut le lancer. C'est à quelle distance, enfin combien de temps elle peut le maintenir. Oh putain, ça veut dire qu'elle peut pas réanimer les os. Putain, on est pas dans la merde. Ne vous inquiétez pas, c'est mort, yes. Enfin bref. Oui, je vois que c'est mort, mais c'est un squelette, vous me direz. Mais qu'est-ce qu'un cadavre fait ici? J'ai cru qu'il nous attaquait, alors Je ne comprends pas exactement ce qui se passe. Vous pouvez me donner les détails? Eh ben, il y a un squelette qui est venu pour nous dire des trucs, apparemment. Sauf que moi, j'ai cru qu'il voulait nous attaquer et je lui ai envoyé un éclair et pouf, plus de squelette. Un squelette qui est venu. Nécromancie? Oui. Oui. Apparemment. Et pourquoi un squelette vous en voudrait à vous? Il voulait nous donner des informations, apparemment, mais bon. On n'a pas eu le temps de les entendre, tant pis. Vous avez des amis nécromanciens? Moi, non. Eux, oui, apparemment. Hein. C'est un domestique qui nous cause? Non, c'est le prince. Ah, ok, t'avais pas précisé. Ouais. Je croyais que c'était... Je croyais que c'était un domestique aussi. Moi. Non, non, c'est le prince lui-même. C'est une connaissance, on va dire. Bon. Nettoyez tout ça. Et venez ensuite, dès que vous êtes prêts. Normalement, le dirigeable devrait arriver aujourd'hui. Bien, votre avis. Ok. D'accord. Bon, bah, je vais aller prendre une petite pelle et une petite balayette. Je t'aurais fait non, et puis je l'aurais fait toute seule. Non, mais c'est bon, je peux nettoyer quand même, c'est ma faute. Je suis désolée, j'ai eu peur. Ça peut se comprendre. Si je m'étais pas planquée dans ce tonneau d'orange, j'y serais passée avec tous les autres. C'est Bernard. Katniss de l'autre côté. Allô? Allô? Ah. Oh, mais ils ont niqué qui se coule! Oh, les salauds! Ah, oh, ça a coupé. Et merci Darrow pour le clip. Bah, du coup. Vous en faites pas, c'est mort. Bah, et quoi? Aïe, aïe, aïe. Je vais être reconnu pour mes one-liners de merde. Putain, ah bah mec, toujours, c'est bien. Toujours toi hein. Mais c'est trop bien. Bon bref, donc on se prépare et on va au dirigeable. Bah oui. Alors. D'accord, on aura pu récupérer son truc avant que le... avant aussi. De quoi? Son truc. Ah oui, ce que tu as commandé, oui. Oui. En deux semaines, oui, je pense. Oui, en une semaine et demie, oui. Cool. On sait jamais.
Bien. Devant le dirigeable, il y aura quelques evnes, bien évidemment. Que je les retrouve. Alors, il y aura lui. Je suis désolée, mais pour le beau du scénar, il fallait que je relance. Mais je pensais pas faire autant. Non, mais et pour moi, le beau du scénar, et je ne devais pas encaisser. C'est vrai, en plus, t'as genre 15 bénis, là. Mais c'est normal, c'est la réaction normale de Bernard. Hein. Oui, non, mais c'est normal. C'est drôle. Regardez le scénar. Non. Non, on rentre à Sphéris. Juste à Staniel est triste parce qu'elle aurait bien voulu avoir des nouvelles de Chaline, du coup, mais elle essaye de pas trop le montrer. Bah, on pourra lui envoyer. On pourra envoyer une lettre pour leur dire ce qui se passe et puis. Non, les Fakneurs vont pas à Oveyron. Oh. Eh bien, on lâchera une bombe au-dessus d'Oveyron avec des lettres. Voilà. Ouais, ils ont qu'à monter le téléphone et ils nous font pas chier. Tiens, ils vont avoir un truc qui va faire bouffe en plein milieu de leur taverne. Ils vont regarder, il va y avoir des tonnes de lettres dedans. Oh, mais tiens, il y a des lettres. On peut même pas récompenser Bernard avec un béni en plus. Il a déjà eu son béni. On lui a déjà envoyé son béni à Bernard. J'en ai plus en plus. Et il en a plus. Bien, vous arrivez devant le dirigeable. Effectivement, il y a deux evnes qui sont devant. Mmh. Le prince qui vous accompagne. Mmh. Ouais. Qui salue en Aéloi, mais très rapidement il se met à parler sphérien par rapport à vous, et puis les Eves ne parleront sphérien également. Donc bien le bonjour, bon prince. Et il dira non, pas comme ça. Juste, excuse-moi, à partir de ce moment, je mets ma cape. Ok. Bien, messieurs, je sais que vous n'êtes pas habitués à prendre des voyageurs, mais est-ce que, exceptionnellement, vous serez apte à prendre ces trois-là avec vous? Ils vont jusqu'à... Et le Lipache. Et le Lipache. Ils vont jusqu'à Sphéris. Oui, bien évidemment, ça ne devrait pas poser de problème en théorie. Qu'est-ce que t'en penses, Liliam? Les deux qui sont en train de se parler. Oui, bah, il ne devrait pas y avoir de soucis. Bon, si je c'est... Ed. Mais qu'est-ce que t'en dis, Ed? Pardon. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, mais si c'est vous qui demandez, on peut bien faire une exception. C'est des messages urgents ou quelque chose du genre. C'est personnel. On ne demandera pas plus. Alors? Pardon. Est-il simplement, celui-là qui demandera, est-il simplement possible que vous laissiez vos équipements dans la soute à bagages, vos armements surtout? Oui, bien sûr. Vous pouvez pas donner... Bien sécurisé par contre? Oui, bien évidemment, il n'y a que les sauts-ruisseaux qui peuvent y avoir accès. D'accord. Nakar, il soupire. Ça l'énerve à chaque fois. Mais c'est normal, c'est... Ça l'énerve à chaque fois, il est en mode, putain, mais genre, il n'y a pas moyen d'avoir, je sais pas, des valises que vous gardez fermées et que les gens, ils peuvent garder leurs équipements avec eux. Mais bon, c'est un pas... Un bagage de cabine. Non, mais oui, mais un truc que tu peux pas... Que la personne à qui appartient l'équipement ne peut pas l'ouvrir... Et que c'est juste à l'arrivée que c'est ouvert, mais ça reste avec toi. C'est pas compliqué. Ça reviendrait cher. Si tu devais faire ça avec tout le monde. Mais non, justement. C'est un système. Bon, allez, arrête de râler, on le fait. Mais on le fait quand même, mais voilà. Je vais avancer le scénar. Très bien. Alors, voilà donc. Et il y aura au bout de quelques temps, donc
quelques sauts de ruisseaux qui reviendront, plusieurs autres oiseaux qui reviendront dans le dirigeable. Ah. Genre une bonne vingtaine, si ce n'est une trentaine. Mmh. Et ça sera le décollage où le prince vous dira au revoir de loin. Mais il a dit qu'il venait avec... Ah oui, c'est vrai, il vient avec vous. J'avais oublié. Mais il faut me rappeler ce genre de choses. Bah, il vient avec nous. Bah voilà. Mais il vient avec... Il avait des choses à faire à Sphéris. C'est vrai, il voulait parler à la madame. Bien. Alors, j'avais dit que ça prendrait 2 jours. Ouais. Ouais. Le premier, c'est pour atteindre Céleste, où il y aura pas mal d'allers-retours en attendant d'autres Zephnes. Ah, Céleste, on n'a pas le droit de descendre, je suppose. Vous pouvez descendre si vous voulez, il n'y a pas de souci. On va faire un petit peu de tourisme. Vous avez le droit, de toute façon, ça ne va pas partir tout de suite. Bon, bah, je vais faire du tourisme. Nakar, il n'est pas très intéressé. Il y a quoi exactement là-bas? Un petit peu de tout, parce que c'est quand même un minimum, c'est un peu commercial, mais surtout entre eux, puisque ça, il y a plein de Evnes qui voyagent un petit peu partout, qui achètent des bricoles de tout pays. Il y a des montres à gousset. Il y a des montres à gousset. Bah, j'en aurais acheté une pour Démétrius. Ok. Il y a des kits de soins des plumes. Oui. Beaucoup, oui. Eh ben, je prends le meilleur. J'en prends même 2 parce que je suis une thug. Et je voudrais aussi offrir un petit cadeau à Nakar, à Stani et au prince. Ok. Je sais pas quoi. On vous demandera juste de pas trop vous éloigner hein, quand même, ou de revenir à telle heure parce qu'ils ont gardé vos affaires dans la soute. De toute façon, oui. Un truc juste. À Stani, je vais lui prendre un truc pour prendre soin de son pelage. Gentil. Bon, et la moto, oh, là, la moto. C'est à la foire à la saucisse, putain. Non, fallait fermer la fenêtre. Va. On l'entend pas, hein, nous. Ouais, non, mais qui est des sables, là. Ouais, non, mais je vois totalement, genre. Ah, ça me saoule. Ouais, Nakar, qu'est-ce qui ferait plaisir à Nakar? Nakar, il est pas genre un anneau d'oreille il est pas très difficile déjà, même si tu lui offres un truc, tu vas pas lui servir, il va. Je sais. Ah, bon, je vais te donner une gourmette, une petite gourmette. Et je te dirais, tu pourras la faire graver au nom de ton bébé. Ah, c'est gentil. Pourquoi tu nous offres ces cadeaux, Bernard? Oh, parce que j'ai envie. Je te fais un bisou sur le front. Nakar te chope te chope. Et pendant un court instant, il te regarde droit dans les yeux, il dit rien. Il te fait le câlin, mais tu sais, à briser les côtes. Yeah. Ah, il m'étouffe. J'ai pas tout coincé. Nakar, arrête. Mais toi, tu veux pas quelque chose? Mais vous faites comme vous voulez. Mais je n'offre pas des cadeaux dans le but d'en recevoir. Je le sais bien. Mais... On trouvera quelque chose plus tard. Et Nakar, il patte la tête de Bernard. Et pour le prince, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Oui. Uh-huh. À toi de voir. Une belle brosse, il a une belle chevelure, je sais pas. J'avoue. Du shampoing. Tiens, tu pues. Non, mais une belle brosse, enfin, vraiment très belle, quoi, je sais pas. Bon, il doit déjà en avoir chez lui. Oui, mais là, pour le voyage... Je sais pas.
Il porte des bijoux ? Très peu. Et c'est surtout des bijoux qui sont un peu des gris-gris de son de ses cultures, de sa culture. Bah alors des bijoux de cheveux. Une broche quoi. Pas forcément, tu sais, je pensais plus à des trucs genre à Théba ou. Ok. Que je pourrais lui faire pendant le voyage. S'il veut. Eh ben, pourquoi pas. Et ben voilà, tout le monde a ses cadeaux. Ok. Alors que vous faites vos petites bricoles par-ci par-là, vous retournez au bout d'un moment sur les quais où il y a plusieurs dirigeables hein, d'ailleurs. Et on se trompe. Parce qu'on est con. Non, non, vous savez très bien où est votre dirigeable, ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il y a Torbjorn qui vous y attend, donc comme ça, au moins, ça se trompe pas. Juste... un petit jeu de perception, tiens, tant qu'à faire. Oh non. On est suivi. Allez. Allez. Alors... Oh, Stanny, elle voit. Vous voyez tous. Il n'y avait pas besoin de gros jets à faire. Il y a une discussion pas très loin qui se fait. Et la première chose que vous entendrez, c'est « Non, écoutez, monsieur, j'ai déjà été clair sur ce point. Nous n'avons pas besoin de plus dans nos méthodes de déplacement, etc. Nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Vous nous avez déjà rendu de grands services dans le passé, certes. » Mais pour le moment, nous n'avons pas besoin de plus, pas besoin d'autres téléphériques pour aller jusqu'à Lagia, si je dis pas de conneries. Oh putain, on c'est pas. On a besoin de rien d'autre. J'en ai marre. Et en regardant, vous voyez cet homme. Oh, il est classe. Et qui vous entend. Et Arthur. Et vous entendrez, c'est justement cette voix que vous reconnaissez très bien, si vous insistez, monsieur. Ah, mais qu'il aille se faire foutre, celui-là. Je mets ma capuche et je tire les autres vite pour qu'on se casse. J'ai pas envie qu'il nous voit. Ouais, bah on va vite se planquer, oui. Alors, n'insistez pas, je vous prie, vous prenez votre dirigeable pour rentrer dans votre pays. Et on ne veut plus entendre parler de vos offres, on vous rappellera si on a besoin. On a les moyens de communication qu'il faut, si. Bien, soit. Et il se dirige... justement vers votre dirigeable. Mais non, casse-toi. Non, mais Ren, ça suffit. J'en ai marre de lui. Est-ce qu'on peut lui mettre du poison dans sa bouffe pendant le trajet? Quel malheureux non, accident. Alors... non, mais alors, par contre, s'il est dans le dirigeable, Nakar va le choper et le balancer dans l'eau. C'est genre... dans le vide. C'est genre... conducteur. Oui, conducteur, vous pouvez vous abaisser au niveau de l'océan, j'aimerais voir un peu plus les vagues. Les dauphins. Les dauphins, tout ça. Les dauphins, tout ça. Merci. Hé, Arthur. Ouais, quoi? Regarde, les dauphins. Non, on va pas se rapprocher de l'eau, j'ai pas encore fait le bestiaire naval. Ah ben voilà. Ah, c'est putain, pas non. Non, mais on va pas la voir encore une fois. Ça suffit, là, encore. Il vous saluera juste poliment en rentrant. Il vous retiendra pas plus que ça. Juste un petit salut. Mais on s'est caché, on a dit. Oui. Tu t'es caché, les autres... Non, les autres, ils ont dit qu'ils se cachaient aussi. Vous vous cachez comment? Mais ils se démerdent. On se barre vite pour aller dans la cabine, quoi. Dans nos cabines. Je chopperai le prince, au passage. Il doit bien y avoir quelques cabines pour... quelques cabines, les mecs, ils vivent pas tous dans une seule salle commune, dans leur dirigeable. Bah, non. Techniquement, c'est pas fait pour être... accueillir les voyageurs, à la base. Oui, il y aura une cabine, entre guillemets, commune. Entre guillemets. Une ou plusieurs. Oh, putain. Même pour le prince? Oui, vous serez dans les mêmes. Ça sera... Allez, vous savez quoi? Je vous donne des chambres de deux. Allez, ok, ça, bah je chope le prince et les autres et on va tous dans une chambre, voilà. Ouais. C'est des cabines très petites. On s'en fout. Donc, on se tasse. Ouais, les quatre dans la même. Oui. Ouais, il y en a un qui va pas rentrer, je vous le dis franchement. Oh, quand je dis que c'est petit, c'est petit. Oui, on se colle. On se met,
Non. Astani et Nakar, ils se mettent dans celle d'à côté. Ok. Ouais. On se cache en mode bordel de Dieu, je veux pas voir ce con. Moi, j'explique au prince que Arthur, c'est un trou de balle. Voilà. J'ai entendu parler de sa renommée. On voudrait éviter de le voir. C'est une bonne idée aussi. Mais le prince, lui, justement, il va vouloir parler un peu avec. Ah, bon, bah, je le retiendrai pas alors s'il veut parler avec. Hein. Et donc, il ira tranquillement parler avec Arthur. Pendant ce temps-là, vous aurez un toc-toc par chez vous, dans vos cabines. Attends, je vais écouter. Nakar regarde par la fenêtre, qui sait. Il n'y a pas de fenêtre, c'est qu'une porte. Quand je vous dis c'est petit, c'est la porte, les lits. D'accord, bah, mais... Enfin, le lit un petit peu double, mais demi-double. Oui, enfin, c'est un lit et demi. Quoi. Non, c'est un lit et demi, voilà. Bon, bah, tant pis. Nakar, il en trouve la porte et il essaye de voir qui c'est, sans bah, trop se faire voir. C'est le monsieur, là, ici. Ok, j'ai... Bonjour. Bonjour. Bonjour, voyageur. Je voulais juste m'assurer que le voyage se passe bien. Ça va, mais si on pouvait éviter d'avoir des contacts avec la personne avec qui vous argumentiez tout à l'heure et que vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Ah, oui, bah ça, malheureusement, je n'y pourrais rien. Pardon, je n'y pourrais pas grand chose. Ah. Vous m'envoyez désolé. Bon. Ça y a, je passe bien, monsieur. Ravi de l'entendre. Sinon, ça se passe bien. Effectivement. Combien de temps avant d'être à Sphéris ? Il va demander, Nakar. Le départ devrait s'effectuer d'ici quelques heures. D'accord, merci. Et vous serez à destination dans la soirée. D'accord, merci. Bien, passez un agréable voyage. Et il frappera la cabine à côté, là où il y a Bernard. Oui. Est-ce que le... Bonjour, le voyage se passe bien ? Ah oui, très bien, je vous remercie. Et merci encore de nous avoir acceptés. Oh, ce n'est pas moi qui ai accepté, ce sont les, disons, mes employés, on va dire. Oui, mais merci quand même. Eh bien, de rien. Et vous êtes Guénolé Antasio, le PDG des Sauts Ruisseaux. Ah, oh, enchanté, je suis Bernard. Juste Bernard. Oui. Bien. En tout cas, vous devez être un homme vraiment sensé pour refuser les propositions d'Arthur. Je ne veux pas en avoir de trop. J'ai suffisamment travaillé avec lui, je n'ai pas besoin de plus. Mmh. Il a, avouons-le quand même, participé à beaucoup dans l'entreprise des Sauts Ruisseaux. Et ça nous a rendu grand service, mais nous n'en avons pas besoin de plus. Oui, ça ne sert à rien d'avoir trop. Même si ces offres sont alléchantes, pour le moment, on peut s'en passer. Eh bien. Eh bien, bon voyage à vous. Merci, et bonne journée. De même. Et ensuite, je vais épier Arthur et le prince. À discrétion, alors. Moi, je suis sortie de la cabine aussi, hein, parce que claustrophobie, c'est bon. Mmh. Oh, ça pue. Ah, je suis discrète comme un fer à repasser dans l'eau. Ok. Et Astani, toi, t'es sortie, t'as dit. Ouais, moi, je suis sortie de ma cabine. Pas discrètement. Non, pas spécialement. Juste, je sors de ma cabine et... Je m'éloigne de cet être abominable. Ok. Donc Arthur se retournera vers Bernard, qui se croyait distrait. Je rentre dans ma cabine. Oh, Bernard! Vous ne venez pas dire bonjour? Non, casse-toi. Et du coup, je rouvre la porte. Oh, Arthur, vous ici, je ne vous avais pas vu. Bonjour.
Eh bien, venez, venez. Avez-vous rencontré le prince Thorbjorn ici présent? Et il dira justement, on voyage ensemble. Vraiment? Oui. Et qu'est-ce qui vous amène à Sferis? Oh, quelques affaires personnelles, disons. Ah, demander de l'aide, je suppose, à Sferis pour votre situation. Oh, ça ne vous regarde pas, cher Arthur. C'est vrai, ça ne me regarde pas. Ce sont les affaires d'un prince, après tout. Il est vrai, il est vrai. Mais cependant, si jamais vous êtes intéressé par quoi que ce soit qui pourrait vous aider ou non, n'hésitez pas. Je suis très doué dans mon domaine. J'en ai justement entendu parler, oui. Et j'y réfléchirai à l'avenir. Bien. Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller rejoindre incessamment sous peu ma cabine. Bon voyage! Ah, ciao! Et il ira dans sa cabine. Et quand il sera dedans, je marmonnerai et surtout n'en ressors pas. Pardon pour mon intrusion, votre Altesse. C'est vrai que c'est plutôt impoli. Eh ben... J'ai une bonne éducation, mais je ne suis pas toujours très polie, effectivement. Moi non plus. Bien. Allons nous reposer. Oui, mais vous comptez vraiment travailler avec Arthur? J'y songe. Je pense qu'il y a d'autres façons. Peut-être, mais son aide nous sera d'une grande utilité. Mais il maltraite tout le monde. Oui, certes. Mais maltraiter des Aélois, ça serait se mordre les doigts. Oh, ça rime. J'ai pas compris. Les Aélois, c'est un petit peu des grands guerriers, un petit peu comme les Volariens. Donc, s'ils les maltraitent trop, ils risquent de s'en mordre les doigts. Ouais. Oui, c'est genre il a plus confiance en son peuple qu'en Arthur. Oui, enfin, il a confiance en son peuple si jamais Arthur fait de la merde. Bah, disons que si Arthur fait de la merde et qu'il essaye de bitch-slap un... Bah écoute, comme un Volarien, il se prendrait un coup de massue sur la gueule et puis oh bah c'est bizarre, il a été retrouvé derrière une taverne. Je vais quand même lui raconter toutes les horreurs qu'il fait subir à ses employés. Hein. Eh bien, si jamais je viens à travailler avec lui, je poserai mes conditions. Eh bien. Mais je lui aurais dit ça en privé, genre dans la cabine. Et je te remercie de te soucier autant de mon peuple. Oui, bon, c'est vrai que ça me regarde pas, mais bon. Enfin, si vous pouvez trouver un meilleur arrangement, n'hésitez pas, quoi. Bien. Pour le reste, le voyage se passera... Très bien, vous ne serez pas trop embêté par Arthur. Et à l'arrivée... Alors, je vais changer la map. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas été dans ces maps-là. Le retour à Sferis. Alors, qu'est-ce que je retrouve des trucs. Vous descendrez du dirigeable, où justement on commence à descendre aussi vos affaires pour que vous puissiez les récupérer. Mais avant que vous ne puissiez les toucher, il y a un peloton de gardes qui s'approche de vous trois. Oh merde. Et qui vous embarque tous les trois. What? Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est bon, j'allais venir, vous êtes pas obligé de faire ça. Ils vous mettent du scotch sur la bouche, vous menottent et vous bandent les yeux. Très bien. Sérieusement? Ouais.
Ah bah vas-y, embarque le prince avec. Nakar et Non, Torbjorn, ils l'ont pas pris. Et vous êtes déposé gentiment dans un camion. Et on vous embarque. Ah si, je faisais une fin de session là-dessus. Non. Si, comme... Ah. Non. Ouais, comme ça, ça me permettra de bien... Je veux encore jouer. Moi aussi. Non, c'est une fin de session. Faut que je prépare la suite, c'est pas prêt. Bah, prépare-la pour demain. Non. Si. Non. Si. Demain, je me repose parce qu'après-demain, je stream. Mais on s'en branle. C'est quoi cet argument? C'est un non négatif. Mais j'ai pas envie d'attendre une semaine. C'est méchant. Des os, pas des os. Allez, le chat. Allez, les deux personnes. Non, désolé, faut que je prévoie la suite. Mais non. Si, parce que j'ai vraiment pas grand-chose de prévu après. Vraiment, je sais pas où je vais. Mais cacaboudin. Exactement, cacaboudin. Voilà. Il est mort de rire, l'enculé. Ça vous a plu ? Espèce d'enfoiré, je vais faire 800 km exprès pour te voir et t'emmerder. Bah viens, vas-y, je t'attends. Ah oui, mais non, il n'y a plus d'essence dans les trucs. Ah bah voilà, ça charge des excuses, tout ça pour pas venir. Ah, je quitte, voilà. C'est qui a fait la SNCF avec Reinhardt l'autre jour, hein? Alors tais-toi. En attendant, j'espère quand même que malgré cette fin de session rapide, j'espère que ça vous a plu. Ça va, ça a été. Bon, on a encore vu Arthur. Arthur. Il s'appellera Arthur. Non, Arthur, ça rime avec enflure. Oui, Arthur bah... aussi. Oui, mais plus Arthur. Ouais, Vali bon. Valu. C'est quand même pas très... C'est pas cool terrible comme de me prendre comme ça. De quoi? Enfin, je te le dirai après. Ah, ok. Non, mais bon, voilà, c'est... Ah, c'est un peu dommage. Et maintenant, j'ai la hype, je veux savoir ce qui se passe après. Allô? Allô. Allez, sur ce, moi je vais mettre fin au stream. Et je vous dis bisous samedi prochain, 14h. Avant. Vendredi. Avant. Non, mais en fait, il y a les gens qui ont... À moins que ce soit les vacances. C'est quand les vacances des gens? J'en sais rien. C'est à la fin de la semaine. Non. Si. C'est le 21. La semaine prochaine, donc. Ou alors c'est vendredi prochain, ouais, si c'est le 21. Attends. Vacances d'octobre 2022. Non, là, tout ça. Samedi 22. Ouais. Du 22 au 7, ouais. Ah, ben, le 22. Mais on s'en fout, de toute façon, les gens qui te regardent, c'est les gens qui sont là en journée. Pas forcément, peut y en avoir d'autres. Non, vraiment, j'ai plus de monde généralement les samedis soirs déjà. Oui, bah. Donc, non, ça sera samedi prochain la session. 14h. Bah, t'es nul. Je pensais que ça durerait plus longtemps. Moi aussi. Bah, c'était censé, mais bon, vous avez tellement bien géré les griffons et puis l'autre combat. Bah. Eh bah. Mais... Mais... Allez, sur ce, moi je vous dis des bisous les gens. Tchou 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 plus.